هادئة جدا. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Il était le chef militaire du Hezbollah en Syrie. Le parti a annoncé sa mort dans une grande explosion près de l'aéroport de Damas. Les funérailles de Mustapha Badreddin doivent débuter dans une heure à Robeiri, dans la banlieue sud de Beyrouth. Déjà engagé dans l'Irak aux côtés de la coalition internationale, la Belgique s'apprête à étendre ses frappes en Syrie. Objectif, détruire les zones refuges du groupe État islamique en territoire syrien. Un Brésilien d'origine libanaise à la tête du plus grand pays d'Amérique du Sud, Michel Temer, 75 ans, remplace Dilma Rousseff. Les sénateurs se sont prononcés hier pour la destitution de la présidente sortante. C'est une lourde perte pour le Hezbollah. Le parti a annoncé au petit matin la mort de Mustapha Badreddin dans une explosion près de l'aéroport de Damas. Il était le chef des opérations du parti en Syrie et l'un des cinq membres du parti accusé du meurtre de l'ancien premier ministre Rafik Hariri. Le Hezbollah impute l'attaque à Israël. En 2008 déjà, le Parti de Dieu avait tenu l'État hébreu responsable de l'assassinat d'Imad Mourhier sous le coup d'un mandat international d'arrêt. Mustapha Badreddin avait déclaré il y a quelques mois qu'il ne reviendrait pas de Syrie, sauf en martyr ou en portant le drapeau de la victoire. Ses funérailles doivent débuter à 17h30 à Robeiri, dans la banlieue sud de Beyrouth. Et puis cadres et partisans du Hezbollah se sont rassemblés dans le camp d'Al-Mujtaba, dans les environs de Sfer, pour présenter leurs condoléances aux proches de Mustapha Badreddin. Des condoléances exprimées au téléphone par Nabi Berri au secrétaire général du parti, Hassan Nasrallah, selon la chaîne Al-Manar. La Belgique pourrait étendre ses frappes à la Syrie, objectif détruire les zones refuges du groupe État islamique en territoire syrien. Jusqu'ici, les raids aériens belges s'étaient cantonnés à l'Irak. Prise lors d'un conseil des ministres, la décision du gouvernement doit maintenant être formellement entérinée par le Parlement. Elle pourra prendre effet à partir du 1er juillet. Il était un peu plus de 11h hier quand Michel Temer, 75 ans, a appris sa promotion d'origine libanaise. Il devient président du Brésil. Michel Temer, 75 ans, succède à Dilma Rousseff, d'origine libanaise. Il devient président du Brésil. Il va assurer l'intérim de la présidence pour 180 jours. Il est désormais le nouvel homme fort du Brésil. Devenu président par intérim, Michel Temer a déjà de grandes ambitions pour son pays. La première d'entre elles, retrouver l'unité nationale, indispensable selon lui pour redresser la situation économique du géant sud-américain. C'est unis que nous pourrons faire face aux défis dans ce moment difficile. Je le répète, il est urgent de pacifier la nation et d'unifier le Brésil. Nous devons au plus vite constituer un gouvernement pour sauver la nation. Michel Temer l'a assuré, il maintiendra les programmes sociaux mis en place par le Parti des Travailleurs qui ont permis à des millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté. Pour les partisans de Dilma Rousseff, peu importe les mesures annoncées, l'éviction du pouvoir de leur présidente n'est rien d'autre qu'un coup d'État. Un gouvernement qui n'a pas été élu démocratiquement n'a pas de légitimité. Le président qui prend aujourd'hui le pouvoir est un président illégitime. Le successeur de Dilma Rousseff a présenté son nouveau gouvernement. 23 ministres et pas la moindre femme. Un manque de diversité qui suscite de nombreuses critiques. C'est un gouvernement d'hommes blancs. C'est assez effrayant. Pour la première fois depuis la dictature militaire, il n'y a aucune femme parmi les ministres. C'est inquiétant et ça peut indiquer une embardée à droite. Une embardée vers un gouvernement plus conservateur. Michel Temer souhaite au plus vite rétablir la crédibilité du Brésil sur la scène internationale. Il a donné un premier signal fort à ses partenaires étrangers en nommant Henrique Meirelles au poste de ministre de l'économie. Ancien président de la Banque centrale brésilienne, c'est un adepte des politiques d'austérité.
Il aura la lourde tâche de faire repartir l'économie brésilienne qui traverse actuellement sa pire récession depuis les années 30. Les athlètes russes auraient bénéficié d'un système de dopage supervisé par le ministère des Sports du pays. C'était durant les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi en 2014. Le Kremlin dément et dénonce une calomnie. Cet athlète kényan n'est pas malade, il est en train de se doper. Sur cette vidéo, on le voit se faire injecter un produit dans le bras gauche avec un objectif avoué, améliorer ses performances sur la piste. La pratique serait courante au Kenya, comme en témoignent les 40 sportifs suspendus depuis 2012. Devant l'ampleur du scandale, les autorités du pays ont récemment adopté une loi visant à lutter contre ce fléau. Mais pour l'Agence mondiale antidopage, ce n'est pas assez. Le Kenya sera bien exclu des prochains Jeux olympiques, à moins qu'il ne prenne les mesures appropriées. Tout le monde au Kenya sera déçu de cette décision. Cela dit, ce n'est pas acceptable pour une agence mondiale d'avoir l'un de ses principaux pays qui ne se conforme pas à la législation antidopage. Également dans le viseur de l'AMA, l'équipe d'athlétisme russe. L'année dernière, l'Agence mondiale antidopage a mis au jour un système de dopage généralisé en Russie, ce qui a permis à plusieurs athlètes dopés de prendre part aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Pour son nouveau directeur général, pas question de répéter les mêmes erreurs à Rio. Notre timeline n'est pas, pour la Russie, rythmée par Rio. Le plan de reconstruction de l'agence russe antidopage, pour nous, c'est un plan qui s'étale sur en tout cas 2 ans. Le seul sport aujourd'hui qui ne va pas à Rio, c'est l'athlétisme russe. Selon le New York Times, les Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014 sont eux aussi concernés par ces pratiques illégales. Pour l'ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou, de nombreux athlètes russes dopés ont été couverts par le ministère des Sports. Des révélations qui concernent une quinzaine de médaillés olympiques. Autre réaction du Kremlin, elle concerne cette fois-ci le déploiement du système de défense antimissile en Europe. La Russie annonce des contre-mesures pour assurer sa sécurité. Les détails avec Christophe Dansette. Flotte sur ce bâtiment construit dans un petit village roumain. Il abrite un centre de commandement de batteries de missiles intercepteurs technologie dernier cri, inauguré en grande pompe. Les États-Unis et la Roumanie font l'histoire aujourd'hui en livrant ce système à l'OTAN. Dès le sommet de l'OTAN à Varsovie en juillet, l'organisation transatlantique prendra la direction du système antimissile, un système qui, selon l'Alliance, vise uniquement à protéger l'Europe contre l'Iran ou la Corée du Nord. C'est un système de défense. Il ne portera pas atteinte à la stratégie de dissuasion nucléaire de la Russie. Mais l'argument ne convainc pas Moscou. Le gouvernement russe est furieux. Nous continuons à percevoir les activités destructrices des États-Unis et de leurs alliés comme une menace directe à la sécurité et à la stabilité régionale et internationale. Nous en tirerons les conséquences, y compris des mesures d'ordre militaire et technique. La mise en place du système antimissile a été décidée en 2010. Commandé à partir d'une base américaine en Allemagne, il comprend de puissants radars installés au Royaume-Uni et en Turquie, des navires de lancement de missiles dont le port d'attache se trouve en Espagne, ainsi que les batteries antimissiles construites en Roumanie et prochainement en Pologne. Sur le site polonais, les travaux commencent ce vendredi. Les médias en parlent comme le premier choc du festival. Restez vertical, le film d'Alain Guiraudy a été présenté ce matin à Cannes. Le réalisateur de L'Inconnu du Lac a gravi les marches entouré de son nouveau casting d'acteurs Damien Bonnard, India Hair et Raphaël Thierry. On regarde tout de suite un extrait de ce long métrage rural qui prend scène dans les Causses de Lozère en France. Venez, normalement il devrait rien vous faire. Allez, vas-y. Il est nerveux en ce moment, c'est à cause des loups. Il a déjà subi plusieurs attaques, alors vous pensez? Je suis même pas sûr qu'il ira encore au loup, mais avec les randonneurs, qu'est-ce qui est chiant. Il y a beaucoup de loups par ici. Je me balade pas avec ça pour chasser les lapins. C'est vraiment pénible, vous savez. Ouais, je me doute. Non, vous vous doutez pas, vous avez pas idée de ce que c'est. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Il était le chef militaire du Hezbollah en Syrie. Le parti a annoncé sa mort dans une grande explosion près de l'aéroport de Damas.
Les funérailles de Mustapha Badreddine doivent débuter dans une heure à Robeiri, dans la banlieue sud de Beyrouth. Déjà engagée en Irak, aux côtés de la coalition internationale, la Belgique s'apprête à étendre ses frappes en Syrie. Objectif, détruire les zones refuges du groupe État islamique en territoire syrien. Un Brésilien d'origine libanaise à la tête du plus grand pays d'Amérique du Sud, Michel Temer, 75 ans, remplace Dilma Rousseff. Les sénateurs se sont prononcés hier pour la destitution de la présidente sortante. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 de Beyrouth. Très bon week-end à toutes et à tous. هيدا صوت البيرتي هادي يا جدا